Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode 2 Lego Star Wars, le réveil de la force. Attention. Voilà. Voilà, on y est chers amis. Bon. Redites-moi cette fois-ci si le son est bon ou pas. Normalement il devrait être bien mieux normalement. Hop, commencez. Hop, en espérant que ça fonctionne bien cette fois-ci, ça fait plusieurs fois que je redémarre le jeu parce que la manette arrête de fonctionner. C'est bon. Continuez, normalement on reprend à la fin du premier niveau. Si ce n'est pas le cas. Eh bien écoutez, je referai le premier niveau. Faisant partie de sa rotation de formation, FN a dû compléter Mather de détachement sanitaire, un sale travail qui normalement doit être fait. D'accord. FN 2187, c'est fine. 30 ans après, donc après l'épisode 1, hein. Enfin l'épisode 6, pardon. Content de vous revoir, monsieur. L'amiral Statura veut vous voir immédiatement, dame Ron. Il boit même pas du café. Bon, vous voilà. Content que vous soyez revenu en un seul morceau. On n'a pas le temps pour ça maintenant. Et on n'a pas le temps non plus de s'installer. On a reçu une nouvelle mission, ultra prioritaire. Alors je précise que le son est très mal géré. Pour recueillir des informations vitales. On vous briefera en route. C'est-à-dire que pour éviter tout, en fait, je me suis renseigné un petit peu apparemment. C'est pour tout ce qui est YouTube justement. Pour éviter que Sony ne voit pas votre musique, et bah écoutez, ils vous ont obligé à mettre une musique plus forte pratiquement que le jeu. Que le premier ordre ne reculera. Alors, vous savez ce que contiennent ces renseignements? Cette information est confidentielle. Vous pouvez me le dire? Vous? Non. On va prendre des billets après tout, oh. Quel nom? J'ai dit non, pas des noms. Là, je comprends rien. Hey, il a de l'attaque, hein. Vous ne pouvez pas être mis dans la confidence. C'est dommage. Okay. Je peux y aller maintenant? Vous? Non. Ah, il allume sa loupiote et tout, hein. C'est génial. C'est absolument génial. Rien cassé sur la vie. Qui aurait dû aller sur Jakku? J'aurais pu trouver leur Santeka. J'aurais pu rapporter ces renseignements. J'aurais pu parfaire mon bronzage. Boum. Voici donc la base rebelle. Je sais pas si on peut vraiment l'appeler la rébellion maintenant. Oui, il faut que j'aille là. Je me doute. Oh, bonjour. J'apprends qu'une fois encore, vous embarquez courageusement pour une nouvelle mission périlleuse. Je vous souhaite bonne chance dans votre entreprise. Lorsque vous aurez rempli votre mission avec succès, vous pourrez peut-être revenir. Peut-être. J'aimerais beaucoup que nous reparlions de mon rôle essentiel dans le sauvetage de l'amiral Akbar. D'accord, donc cette base va s'améliorer au fur et à mesure du jeu. Wouh, c'est la fête. Ok, je peux tout casser si je veux. No sousai, aïe, je suis cogné apparemment, et des choses que je ne peux pas casser. Il y a une brique dorée là-haut, vous la voyez? Ou il n'y a que moi qui la vois? Pas monter. Bonjour. C'est pas un peu risqué. Je sais ce que je fais. Ça va voilà. Forcément mal se passer. Attention. Voilà. Tu vois, en fait, je faisais une grosse boulette. Je me disais aussi. Ok, commençons par la droite alors. Allez, on a bien compris, hein. Ah, c'est beau qu'il le fait. Dommage. J'en prie. Hop. Frac. Parfait, on l'a eu. Ça nous en fait 3. Hop. Allez, grimpe, bébé. J'ai pas trop connu la voix de Poe Dameron, mais je me rappelle plus trop de sa voix, à vrai dire. Faut dire qu'à la base, j'aime pas du tout l'acteur. Joue Poe Dameron. C'est physique, je le supporte pas physiquement.
qu'il soit un dieu vivant ou pas, je le supporterai pas. Sympa comme truc ça, dis donc. Et donc on peut le piloter ou pas ce truc là? Parce que moi ça m'intéresse hein. Auquel cas ça m'intéresse hein. Ok, bon bah écoutez, tant pis. Récupère des sous à droite à gauche hein, ça fait toujours du bien. Cependant. Qu'est-ce qu'on peut fouiller d'autre? Un astrome, d'accord. La copine de R2. Why not? Oh attendez, ça se pilote ça. Oh. Ok. Why not hein, ça me dérange pas perso hein, mais. Mais il faut l'emmener quelque part quoi. Oh. C'est mieux que ce que j'imaginais. On visite le camp. Hein. On est aussi là pour ça. On va reprendre BB-8 parce qu'il est juste magnifique. Hop, il est juste magnifique. Ok. 3 sur 10, why not. Et donc je suis censé faire quoi? Réparer là-bas, c'est ça? Ah, il est tellement parfait ce BB-8. Les nouveaux X-Wing, ok. Allons-y. Ok, et dans 3, 2, d'accord, faut que je fasse tourner. Et pouf! Why not? J'approuve. Hop! BB-8, je t'en prie. Alors, c'est par où? C'est par là. Là, ça va être par là. Crac! Ah bah écoute, c'est suffisant. Tant mieux! Alors, j'ai même pas regardé l'heure à laquelle j'ai commencé cette vidéo, c'est génial. On va dire que c'était il y a 7-8 minutes. À 10 donc. Ok. Grappin. Merci BB-8. Toutes mes excuses, Po, ça ne se reproduira plus. De la semaine. D'accord. Ou plutôt de la journée. Je veux pas faire de promesses difficiles à tenir. Je comprends. Je comprends parfaitement. Ok. Bah dans ce cas-là, on va faire une petite pièce et on va faire une petite mission. Hop, on y va. Continuez le mode histoire, oui. C'est bon. Quelqu'un peut m'apporter un escabeau? Carte de la galaxie. Oh, génial. Jakku. Endor vient de la faire. Dikar. Enfin, Dikar, c'est là où est-ce qu'on est. Si je commence à mal parler en plus, ça va être violent. Je vais me faire taper dessus. Bah écoutez, vous savez où est-ce qu'on va maintenant alors du coup? On va sur Jakku. Un assaut sur Jakku. Ouh. Génial. Alors, chapitre 1. Assaut sur Jakku. Vous l'avez vu venir celui-là? Luke Skywalker a disparu. En son absence, le sinistre premier ordre a émergé des cendres de l'Empire. Et ne s'arrêtera pas tant que Skywalker, le dernier Jedi, n'aura pas été détruit. Détruit, on détruit une personne. Avec le soutien de la République, la générale Leia Organa mène une brave résistance et recherche désespérément son frère Luke, afin de restaurer la paix dans la galaxie. Donc c'est avec l'aide de la République, d'accord. La résistance apprend qu'un de ses alliés a découvert des données qui pourraient les aider. Poe Dameron, le meilleur pilote de la résistance, est alors convoqué. Trois petits points. Enfin, quatre petits points d'ailleurs. Ah, c'est marrant qu'il y en ait quatre. Why not? Alors. Par contre, si on l'entend à chaque début de niveau, ça va être violent. Parce que je vais avoir la goutte à chaque début de niveau. Ça va être comme ça. Hein. Ok, la suite. La suite. Ouh, un gros pic. Pic épique et collégramme. Vive le contraste. Ah, oh, c'est pas mal fichu parce qu'on sait qu'il se passe des choses.
et appuie sur le bouton. Oups. Ah, il est aussi magique que celui du film. Voilà de quoi améliorer la situation. Grâce à vous, nous avons enfin une chance. Sans les Jedi, il ne peut pas y avoir d'équilibre dans la Force. La Générale attendait ça depuis longtemps. La Générale ? Pour moi, c'est une Altesse Royale. Il faut vous cacher. Il faut vous enfuir. C'est marrant, il y a un gros sérieux. J'allais dire, il y a du beaucoup de sérieux, mais non. J'ai rien dit. Je pensais qu'il y avait beaucoup de sérieux, mais non. Si vous n'avez pas d'armes, prenez-en une et que ça saute. Le premier ordre est à notre porte. Le premier ordre oui, sera bientôt là. Dépêchez-vous. Oui, madame, bien, madame, quand vous voulez, madame. Pas de soucis, madame. Hop. Arrêtez, je récupère des choses. Sentinelle sur le plan ouest. Hop. Tac. Ne restez pas planté là. Essayez d'avoir l'air occupé. Chewbacca, on n'a pas de Chewbacca. Hop, t'as pas de rayon laser non plus. Non, t'as pas. Ok. Récupérons un maximum de points. Ok. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Crac. Ok. Il y a un truc qui brille. Le truc qui brille, moi j'adore. Ok. On a un point. C'est à peine 10%. L'une des caches d'armes se trouve dans ma hutte, mais la batterie de la porte est à plat. Vous vous y connaissez en électronique ? Oh, j'aurais mieux fait d'acheter une porte ordinaire avec des gonds et une poignée. Hop là. Ok, d'accord, oui, d'accord, ça bouge tout seul. Ok, j'ai rien à comprendre. Dites, vous pourriez entrer et accéder aux armes ? Je dois aller contrôler les fortifications. Oh là là, cet escalier. Cet escalier. Bon, écoute, on y va. Ok, c'est à moitié merdique l'état d'un. Ok. D'accord, un robot munition. Une poubelle, hein, à la base. Je sais plus comment ça s'appelle en plus ce truc là. Je ne me rappelle plus. Il libère les armes. GG. Il reste encore la cache près de chez TK. Vous pourriez vous en occuper ? Oui, madame. Bien, madame. J'avais oublié que j'étais à votre botte, madame. Madame, pardon. Qu'est-ce que c'est ? Un mini-kit. Rien que ça. Pouh ! Ça c'est fait. Pouh, Damron. Ça fait plus. Dans le mille. Ouais. Ok. Voilà. Allez, vas-y, tire. Si t'étais un vrai Stormtrooper, faudrait pas compter sur moi pour te remonter. Parfait. Et la vraie coup, j'allais chercher là-bas. Crac. GG. Il faudrait Luke ici, d'accord. Bon, à savoir. Ça fait un bail, mais je pense que je me souviens comment monter une motojet. Et voilà le travail, c'est parti. Oh zut, le guidon. J'ai oublié le guidon. C'est bête. Scrog, voilà. Et donc, qu'est-ce que ça fait que ce truc? Voilà. Oh là là. Hop, d'accord. Ok, maintenant. Oh putain. Pas de panique.
Je vais vérifier qu'il n'y a aucun Stormtrooper dans le pont que je fabrique. Oh merde. C'est bon, il est vide. Mais je vais continuer de chercher. Oh merde. Le ballon. J'ai réussi à chier le ballon dans le seul trou où il pouvait pas s'en aller. Ah attendez, il y en a un autre. Yeah, joue le ballon. Voilà, un but. Et un. Vas-y, deuxième ballon. Hop. Et deux. Non, ça fait pas deux. Ça a pas marqué deux. Est-ce qu'il y a d'autres buts dans le coin? Regardez bien si vous voyez d'autres poteaux de but. Ah, j'en vois pas. Boum. Hop. Ok. Très bizarre, très bizarre. Non! Ça fait toujours que deux, hein, donc non, de ce côté-là, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc il nous faut plus de buts. Et pas plus de putes. Hop! Alors. Quelqu'un a changé le code? J'aurais pourtant dit de laisser 1, 2, 3, 4. C'est parfaitement sûr! Tout à fait d'accord. Ok, ça en fait 2. Donc là, il y a clairement. Ah, d'accord, il y a plusieurs sports à faire. Ils vont se planquer dedans, d'accord. The fuck? Ok. Je veux pas chercher à comprendre. Ok, un mini supplémentaire, va savoir. Hop. Un panier de basket ici. Péter le ballon. Fais péter le ballon. Le ballon? Ah d'accord, oui non, il y a le. Ok. Faut pas, c'est pas le ballon qu'il faut faire rentrer. C'est le BB-8. Et po! Panier. Ça fait deux trucs de sport. Et il y a ici. Et je pense que ça va être très très simple. Voilà! C'était bien ça. C'est génial. J'adore ce jeu. Je n'arrive pas à ouvrir la porte et l'interrupteur permettant d'ouvrir la cage d'armes se trouve à l'intérieur. C'est sûrement un bug. BB-8 peut chinter le panneau depuis le boîtier de commande. Je dois juste lui aménager un accès. Ça me semble faisable. Non, des cadenas oculaires. Ça doit être là, j'imagine. Non. D'accord, le voilà. D'accord, ok. Vous voyez comme moi le poteau de but là-bas? Oui, bah j'imagine que c'est ça, oui, effectivement. Vas-y, objectif atteint. Ok, why not? Boum! Ok. Assez de briques pour construire différents appareils si nécessaire. Ici, il y a un panier. Hop les. Hop. Faut savoir que je m'arrête pas, c'est le truc qui s'arrête tout seul. Vous pouvez réutiliser les briques en détruisant l'appareil que vous venez de construire. Oui, je me doute.
Crac. Hop. BB-8, bouge pas. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Parfait. Oh. Hop. Il y en a un qui attend que j'arrête. Hop, il y en a un qui attend que j'arrête. Cité. Génial, merci. Vous pourriez localiser l'interrupteur secret à l'intérieur ? À vrai dire, j'ai totalement oublié. Ok, BB-8, ce grand combattant. Je suis seul à avoir un poteau de but ici ou c'est juste moi ? Il nous faudrait Luke ici. Ah, quel dommage. Boum. Crac. Bonjour. Po, faudrait que tu répares des choses. Hop. Oh, il fait le... D'accord. Hop. Un petit coup de câble ici. Hop, pardon. Voilà. Électricité, électricité, magique, électricité. Ouverture d'une espèce de boîte bizarre. D'accord, rempli d'armes, pourquoi pas. Bah écoutez, on a fait les deux points. Bon, si vous n'avez pas d'armes, prenez-en une et que ça sente. Le premier ordre est à notre porte. Là, il nous aurait fallu Luke. On sort. Prennent tous des armes. Prennent même la pause d'ailleurs. Oula. Une escouade par ici. Ah, ils ont repris les voies, j'ai l'impression. J'ai un doute. Une pomme. Oh mon dieu. Merci. Réintégrez votre escouade. Oui, madame. Oh, bah, donc, c'est complètement différent que par rapport à ce qui se passe dans le film. C'est pas une marque verte normalement. Échec. Salut. Oh, d'accord. Il faut qu'on se fasse un chemin pour s'échapper. Oui, mais je vois aucune tourelle à blaster dans les parages. Je pourrais me planquer. En construire une. Pourquoi pas. Tu sais quoi, y a pas besoin que je m'embête. Hein. Hop. Aïe. Vous êtes trop mauvais. En construire une avec quoi? Hop. Ah bah oui, une tourelle à plasma. Hop. Hop. Crac. Et oui, 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 le meilleur. C'est BB-8. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Boum. Qu'est-ce que ça va être? Ah oui, d'accord. Hop, par là. Ah là là. Oh non, non, non. Oh non, 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 tu bouges pas. Tu restes au milieu. C'est bon. Ok, bonjour. En plus, ça a éteint l'incendie. Si c'est pas génial. Oh. Oh, ça va faire mal. Hey, vous. Ils ont capturé votre ami. Quoi? Je connais pas. Et pas que lui, d'ailleurs. Il faut les aider. Vite, à couvert. Hop. Ah. Vache. D'autres stormtroopers. Hop.
Hop. Attention du Stormtrooper. Les méchants en approche. Aïe, j'ai plus cher, ça se fait longtemps. J'ai bien fait de me mettre avec vous plutôt qu'avec Kraz. C'est ce bordel. Fait plus de dégâts peut-être. Hop. Un nouveau transport arrive. Oh non. Ok. Tirez sur les piles à combustible. Boum. Eh ben alors. Oh c'est salto avant. Dommage. Mauvais atterrissage. Avez-vous repéré des points faibles? Ici, je présume. Oh oh! Drop là où ça fait mal! Avant d'avoir mon truc super chargé. J'ai pas eu le choix. Ouais. Il m'a pas tiré une seule fois dessus là. C'est dommage. Boum. C'est peut-être un poil trop simple. Glider, génial. Voilà, je sais pas où ça passe. Je sais pas où est-ce qu'on en est par contre au niveau. Oh bien sûr. Oui. 15 ans après l'explosion, mais bien sûr, why not. D'accord, le fait de lui avoir tiré dessus m'a donné un truc. Je sais, mais je crois qu'une bête remonte le long de ma jambe. Ouais. Désolé. Je n'ai peur de personne dans mon propre village. Je dois mettre les autres en sûreté. Votre ami se trouve au nord, près de sa hutte. Dépêchez-vous. Près de sa hutte, dépêchez-vous. D'accord. Ça va aller. Il y a un château d'eau là-bas. Un château d'eau là-bas. Effectivement, il y a un château d'eau là-bas. Enfin bon. Il y a un château d'eau à 10 000 km. Profitons-en. Ok, ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une balançoire pour BB-8. Hop. Oh putain, je m'attends au pire. Haha, thumbs up, qu'il est con. Bon ok, allez, refaisons-le. Il y a peut-être quelque chose à faire en plein milieu, non? Non même pas, rien. Ok, bon bah il y avait rien à faire. Ne sert strictement à rien. Juste pour faire apparaître le sublime thumbs up. Hop. Il n'y en a que deux. Hop, BB-8. C'est quoi faire? Ah non, faut que je tienne à gauche. Ok. Oula, ça tombe. En haut, ok, ça me fait un passage. Oula, il y a des gens. Hop, on est piégés. Voilà. C'est fait. Il nous reste des pièces à avoir. Ça m'embête. Ça m'embête parce qu'on en a trop de bon. Hop, oulala. Y'a pas de truc d'équipe, c'est dommage. Ok. Il nous faudrait Luke aussi, encore une fois. Hop. Tire, mon dieu, tire. Hop, c'est bon. Hack. Pourquoi pas. Rien par là. Hop, reprenons ça ici. Le petit mini-jeu. Le petit mini-jeu, hein. J'ai réussi à dire ça quand même, hein. Le petit mini-jeu. Bon,
La suite. Ça devrait être bon maintenant. Encore un autre ? Ah, dommage ! Moi j'aime bien ce petit jeu là, c'est mignon. C'est avec BB-8, il fait des petits bruits, tout ça. Moi je suis content. Hein. Ok. Il se passe des choses en l'air, d'accord. Et là c'est quoi ce truc là ? Ok, le mini-kit. Voilà. Ça c'est fait. J'ai eu. D'accord, j'ai eu du mal à rentrer dedans apparemment, c'est pas grave. Un flame trooper. Un flame trooper. Fais attention à toi, bébé. Je les connaissais pas ça. Je m'en rappelais pas, ouais. Ok, alors par contre, je crois qu'il va nous manquer des choses. Il faut un amiral Akbar ici, apparemment. Ok, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le coin? Ah, des choses. Il manquait beaucoup de points, j'ai l'impression. Je déteste ça. Ok, bah écoute. Moi je suis partant pour ce qu'il y a à droite. Hein. Ça a l'air sympa. Hey, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, d'accord, il creuse. Il descend jusqu'au champ magnétique. Pas très profond normalement. Sympa. L'irrigateur ne fonctionne pas. Je peux pas éteindre le feu. On doit sauver Lord Santeca. Vous pouvez le réparer, dites. J'y connais rien ces machines. Écoute, on va essayer. On va essayer. Personnage fort apparemment n'en est pas un. Ça c'est clair, le problème est résolu. J'imagine qu'il faut commencer par ça. Ça bouge pas grand chose. Ok, allez, vas-y, reviens, hop. Ici. BB-8, vas-y. Hop, d'accord. Il faut déplacer, d'accord, ça je comprends. Ok. Ensuite, je casse. Attendez, je suis en train de comprendre petit à petit. Hein. On est vraiment pas aidé dans ce jeu. Hein. C'est étonnant que ça puisse pas arriver. C'était bien placé alors. Oh là là! Mal fichu tout ça! Ah non, c'est devant. Il y a un truc ici. Ok. Essayons. Hop, essayons. D'accord, on l'a chargé de tes pleins d'eau, ok, je comprends. On arrose et c'est bon. Oh là là! C'est pas que c'est complexe, mais c'est que c'est mal fichu. On a vu Captain Phasma, on aurait pu. D'accord. Alors. Ah, ah, le voilà. Arrivé est beaucoup plus tragique. Vous savez ce que je viens chercher. Va dans le plus loin possible.
Tu m'entends? Je reviendrai te chercher. Tout ira bien. La carte pour retrouver Skywalker. Nous savons que vous voulez te procurer. Et maintenant, vous allez la remettre au premier ordre. Le premier ordre est l'émanation du côté obscur. Ce n'est pas vrai. Je vous montrerai le côté obscur. Non, non, non. Il s'envola vers d'autres cieux. Fouillez-le. Rien, seigneur. Emmenez-le à bord. Tiens, j'avais pas de mémoire qu'il l'appelait seigneur. J'avais pas mémoire qu'il l'appelait seigneur. C'est rigolo ça. FN2187, déposez votre blaster pour inspection. Ah bah d'accord. Merci. Oh. Oh la vache, c'est la fin, on a pas le plus maximum. Dommage. Ok, c'est pour ça prêt. On est loin de l'avoir eu en plus. 93%, effectivement on a 7%, c'est pas rien. C'est pas rien. Brick rouge déverrouillé, génial. Mini kit déverrouillé, pourquoi pas. Et des pièces forcément qui vont avec le mini kit pour la construction d'un vaisseau, d'un véhicule supplémentaire. Ok, enfin, 5 sur 10. Voilà. X-Wing bleu de Podemron, Speeder de Raid, pour une raison inconnue on l'a. Le mini microfighter, pardon, hop. FN2187. Podamron, que des choses très classiques, BB-8, Dasha Promantic que je ne connais pas, Flame Trooper, alors je ne le connaissais pas non plus, Il Communica non plus, Kinsey non plus, Ophiegra non plus, je les connais pas, hein. Sand Trooper, GNK143, qu'est-ce que c'est que ce truc? Continuez le mode histoire. Bah écoutez les amis, du coup on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom dans votre lien en arrière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop.